Salut les amis, c'est Bigouf, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans World of Tonglitz. Alors aujourd'hui ça va être une petite vidéo, parce que je sais qu'il y en a certains qui sont friands de ces choses-là. Et aujourd'hui nous allons faire un petit pack opening en fait. J'attendais vendredi pour savoir un petit peu ce qu'ils allaient mettre en boutique. J'arrivais même plus à parler, bon. Et en fait, bah, y a rien d'intéressant. Enfin, quoique si, ils ont mis un nouveau char, le fameux STRV-81. Alors, si on regarde très rapidement, alors, je vais pas vous cacher, on va peut-être le tenter, mais je suis pas spécialement pressé de l'avoir. Pourquoi? Parce que, bon, c'est un char moyen, déjà, je suis pas spécialement fan. Et quand on regarde, et bah, c'est pour ça que je l'ai mis en fond. Regardez, on a l'impression que c'est plus un Centurion en Tier 8 Premium, quoi. Donc, je suis pas spécialement pressé. Nous, ce qu'on va faire aujourd'hui, pour cette petite vidéo, et si on arrive à l'attraper, eh ben, on se fera donc une partie directement. On va ouvrir aujourd'hui les conteneurs, donc les énormes conteneurs. Notre objectif, bien sûr, ça va être du aléatoire, donc on va croiser les doigts. Ça serait au moins de choper celui-ci, le fameux Cobra. Donc, ce que je vous propose, les amis, c'est de se faire un petit pack opening. Donc, je vais cramer tout mon or. Voilà, c'est une petite vidéo cramage d'or en direct, en bonne et due forme. Donc, au pire, si ici, si on n'a rien, eh ben on ira essayer de voir sur le STRV, voir ce qu'on a un petit peu. Donc, ce qu'on va faire, on va directement prendre donc les 33 000. C'est parti, veuillez patienter. Et on y va pour le premier conteneur. New, manu, 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 manu. Oh, bah tiens, j'ai un énorme conteneur en plus. Bon, ok. Alors du coup, bah, on a chopé celui-ci, mais bien sûr, mesdames et messieurs. Donc, qu'est-ce qu'on a, un camouflage requin, et en fait, on a le char. Ok. Allez, c'est parti pour le deuxième. Donc forcément, ok, attention. Ok, bon, pour l'instant, pas terrible. Hein. Personnellement, le Emile, je l'ai. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le tier 9, le fameux Cobra. Après, si je pourrais avoir du tier 10, ça m'arrangerait. Oh, dis donc, Jeep, c'est beau, ça. Le Skoda. Alors pour l'instant, on se tape que du tier 8. Attention, le dernier conteneur. Suspense. L'object 752. Bon, le problème, c'est que je le possède déjà. Donc, ok. Bah, écoutez, on est revenu à 30 000. J'ai dépensé 33 000. J'ai perdu 3 000. Bon, ok, ça marche. Comme je vous l'ai dit, donc, on est reparti du coup. Par contre, attendez, ils sont... Ah non, ils sont partis. Oh, j'ai fait une bêtise. Non, c'est pas vrai. Me dis pas qu'ils sont partis. Ah non, ils sont là. Voilà. Eh ben écoutez, allez, attention, 12 500, c'est reparti. Bon, là, je crois qu'on va pas en ouvrir tant que ça, au final. Oh, dis donc, un petit coin. Ok, bon, l'object, c'est un char lourd de rang 10, ça m'intéresse, parce qu'en final, je reviens... bah non, je reviens toujours pas, au final, parce que j'ai dépensé 12 500. Mais en tout cas, ça nous permet à nous de pouvoir rouvrir un conteneur, et on va pouvoir même s'ouvrir le dernier, ça, c'est cool. Allez, vas-y, donne-le-moi ce Cobra, bordel. Oh là 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 là, il m'a donné le VK, il m'a donné le VK. Bon, c'est bien, mais moi, je veux celui-ci. Allez, donne-le-moi celui-là, là, s'il te plaît. Attention, dernier conteneur, c'est parti mon kiki. Hop, 8000. Alors qu'est-ce qu'on va avoir? Suspense. Le suspense est à son paroxysme. Eh ben non, mais je me suis retapé encore une fois l'object 752. Bon, bah écoutez, malheureusement, donc on n'aura pas chopé ce fameux Cobra dans les énormes conteneurs. Je suis un peu déçu, mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu. Oui, bah non, ça on va reporter, hein, on va reporter. Également, voilà. Alors, ce que je vais faire également, bah, comme je dis, hein, on va se faire un petit pack opening. Donc là, je pense qu'on a encore pas mal de choses à ouvrir. Qu'est-ce que nous avons? Donc là, c'est boîte noire. Donc là, c'est jusqu'à avoir de l'or. Et bah écoutez, c'est parti mon kiki. Hein. Ok, 300 pièces d'or. Très bien. Ensuite, suspense. 300, très bien. Merci, c'est gentil. Oh, une boîte noire niveau 2 et 200 pièces d'or. Sachant que là, dans la boîte noire, donc niveau 1, si je ne dis pas de bêtises, si je ne m'abuse, maximum, c'est 400 pièces d'or. Donc pour l'instant, on est bien. Ce qui est bien, c'est qu'on pourra ouvrir d'autres coffres. Dire, oh, 400, non, ils sont généreux ce soir. Bon, après, c'est vas-y, fais péter. Ah, 200, là, t'es un petit peu moins généreux, là. Mais, ouais, à 100, là, et là, tu sais combien que tu vas me donner? Tu vas me donner 50? Non, non, je crois que de toute façon, minimum, c'est 100. Hein. Ah, 400, très bien, en vous remerciant. Donc, du coup, on a passé un coffre, donc niveau 2 qui est là, et on peut atteindre jusque 600. Attention, le suspense est à son paroxysme. Oula, ouh, niveau 3. Et on a eu la moitié, on a eu 300, mais par contre, on a eu une boîte niveau 3.
Allez, oh, ce serait bien qu'on continue comme ça. Puis vous savez, on arrive jusqu'à une boîte niveau 10 et puis là on gagne le pactole. Alors attention, c'est parti. Là on peut gagner jusqu'à 900 pièces d'or. Suspense. Oh, niveau 4, 800. C'est bon ça. Allez hop, on récupère. Donc niveau 4, allez, tu me donnes une niveau 5 s'il te plaît. Allez, donne-moi 1500 en plus, ça serait sympa, franchement. Oula. Ah, dommage. Bon, 700, allez, c'est pas mal, c'est pas mal. On va dire qu'on s'en est bien tiré. Bon, malheureusement, on est resté bloqué sur la boîte, sur cette boîte-là. Qu'est-ce qu'on va faire? Connais une tous? Allez, bah, c'est parti, on va tous les collectionner. Bon, ça, de toute façon, j'y crois pas trop d'avoir un char, hein, tu vois, c'est. Ça serait beau, mais surtout un collector, comme ça, je serais remboursé. Oh! Ah bah oh, dis donc, le T14, bah dis donc, ils sont pas fait chier. D'ailleurs, le T14, il a été remboursé de combien? 500. 500 000 crédits, bah oui, forcément, hein, là, comme c'est du. C'est du premium et non pas du collector. Alors, on se garde cela pour la fin. Tu me diras, je crois qu'il y a des camouflages légendaires en plus là-dedans. Ah. Alors, attention, maintenant. Oh, et vous imaginez, je me tape 100 000 gold en direct comme ça. Oh, 500! Et ça, c'est bien ça. Ah, attention, bon, déjà, on va avoir une boîte donc niveau 2, si je dis. Niveau 3, non? Niveau 2? Ouais, niveau 2. 100 pièces d'or, bon, disons, t'es un peu rapace. Un petit peu rapace quand même. Ouais, 2000 XP. Alors, par contre, c'est vrai qu'on a énormément d'XP là-dessus quand même. Et puis des jours premium, la vache. Voilà, 10 000 XP. Oh, dis donc, attention, hein. Oh, un jour de compte premium, comme si je n'en avais pas assez. Par contre, c'est vrai que c'est pas bien calculé ce truc-là. Attention. Oh, 200 pièces d'or. Ok, ça marche. Donc niveau 2, on peut atteindre jusque. Ouais, bah, allez, vas-y, de toute façon, le jour où j'aurai le jackpot en pièces d'or. Ouais, super. Un jour de compte premium. Ok. Donc ça, c'est ok. Ça, c'est bon. Eh bah écoutez, vous savez quoi? Il ne nous reste plus que les conteneurs légendaires. On en a 4 à ouvrir. Eh bah écoutez, on va se faire un petit kiff et on va les ouvrir, les 4. Attention. Oula. Oula. Bon, 100 pièces d'or. Ok. Attention. Deuxième, messieurs, dames. Deuxième, suspense. Bon, ok, ça marche. Tu me diras, il y a de l'or, c'est toujours bon. Tant qu'il y a de l'or, moi, ça m'intéresse. Bon, je reviendrai. À mon avis, je sais que j'ai perdu. Bah oui, c'est normal, je suis arrivé au niveau 10. Ok. Oh, dis donc, il y a un trait en plein milieu là. Ça veut dire qu'il y a pas mal de choses. Ouais, ok. Attention, le dernier par rapport à celui-là. Une boîte noire, ok, 750, ok, ça marche. Ben, on va recommencer. Imaginez, on fait que ça. Une boîte noire, je vous la première, je me chape une boîte numéro 2, voilà. 400, le maximum, ok. Et on va passer notre soirée. Là, ça va être vraiment une vidéo spéciale, j'ouvre que des boîtes. Oh, 600, c'est bien ça, c'est vraiment pas mal. Et donc, il nous restait quoi? Bah, c'est tout au final, bah, ça y est, on a tout ouvert, non? Ouais. Alors attendez, j'observe, je regarde. Ouais, ça y est, c'est tout ouvert au final, donc ça c'est ok. Apparence, donc qu'est-ce qu'on a chopé en termes d'apparence? Alors veuillez patienter, ça change, j'en ai tellement là-dedans que. Ok, alors, c'est sur quoi celui-là? Ah oui, le Skodaté, donc ça c'est ok. Ici c'était quoi? L'impulsion. Ok, bon, ça je peux l'échanger tout de suite. Celui-là, le Viking, c'est sur les 1000, c'est bon. Oui, en vache, on en a chopé deux. Voilà. Ici, camouflage l'homme. Bon. Alors, je sais pas, on va peut-être me dire pourquoi tu gardes un camouflage à chaque fois. Je ne sais pas. Ça me fait taper des barres. Ah oui, c'est vrai, on avait gagné aussi une espèce de Jeep, je sais pas quoi là. Ouais, c'est ça. Alors, fais voir, aperçu un petit peu. Oh, qu'elle est mignonne. Et elle fait quoi? Elle a fait rien? Tu me diras, c'est plus dans le thème. Non, ouais, tu me diras, je vais peut-être la placer, tiens. Allez, tu me l'installes. Voilà. Donc, ça, c'est bon. Bon, bah écoutez, on est remonté quand même à 22 000. Tiens, je vais regarder aussi en même temps. Donc, c'était quoi? C'était. Date d'expiration, le 1. Donc, compte premium prolongé. Il se terminera donc le 1-4-2029. Eh bah, dis donc. Ok, donc ça, c'est d'accord. Bah écoutez, ce que je vous propose, les amis, hein, on va se faire ça également. Donc, on en a 10. On va voir. On sait jamais. Peut-être qu'on va quand même gagner un char, donc acheter, allez vas-y, on les achète, on s'en fout. De toute façon, comme j'ai dit, c'est je crame mon or, et peut-être que, mais même en étant en direct avec vous, on va peut-être pouvoir le choper, sachant que je crois qu'on a 5% de chance, hein. Oh, ah, 200 pièces d'or, bon. Déjà, quand tu sais que ça se décale comme ça, c'est que ça peut être intéressant, il y a quelque chose qui peut être intéressant. Ouais, je sais pas pourquoi je le sens pas en fait, je sens que je vais absolument rien avoir ce soir, donc malheureusement, ça sera. Ouais.
Ça, attention, il nous en reste encore 6, messieurs, dames. 1000 pièces d'or, ça, ok, je prends. C'est, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Attention. Ah, qu'est-ce qu'on va avoir? 750. Ok, ça marche, je suis preneur. Oula, j'aime bien quand c'est 5 comme ça. Oh yeah! Eh ben voilà les amis, c'est parfait. Donc comme ça, on l'a vu, on s'est chopé donc ce STRV 81. On va continuer, on a encore 3 conteneurs au vin. Imaginez en plus, je crois que si on le rechoppe, là, il est converti en pièce d'or. Il me semble. Il me semble, hein, je ne vais pas dire de bêtises. Quoique non, je dis peut-être une bêtise même. Et donc le dernier, allez, on s'en fout, de toute façon, on l'a. Oh, attention. 750? Bah écoutez, moi j'ai envie de vous dire, très bien. Alors on va peut-être me dire, mais Bigouf, t'en avais déjà ouvert? Oui, alors je ne vais pas vous le cacher, puis de toute façon, comme je vous l'ai toujours dit, je n'ai absolument rien à cacher. Je ne vous cache pas que ce matin, j'ai attendu 10 heures et j'en ai acheté deux, donc vous savez, à 5,99 € pour voir si j'avais la chance qui était avec moi, mais malheureusement, je ne l'ai pas eu. Bon, bah écoutez, en tout cas, on l'a eu. Mais le seul truc qui est bien, c'est que dans, comment dire, quand je l'ai acheté, eh ben, j'ai chopé son camouflage légendaire. Alors, ce qui est dommage, j'avais pas le charme. Mais... Alors attendez, on va essayer de le trouver, le monsieur. Donc c'est un premium. Alors par contre, il est où lui? Bon, au moins, on aura quand même gagné un char. Attendez, il est où? Maintenant, faut que je le trouve aussi. T'es où, mon grand? Où c'est que t'es caché, toi? Non, il est pas là. Il est pas là. Il est où? Bah mince. Je n'arrive pas à tomber dessus. Il y en a tellement au final de premium, au bout d'un moment, on est complètement paumé là-dedans. Bon, t'es où là, vilain? Ah, t'es là. Alors, bah écoutez, hein, voilà, donc, ouais, bon, c'est un espèce de centurion apparemment, hein. Il te dit, on fait voir un peu. Oh, dis donc, attention, ça rigole pas. Bon, le seul truc qui est bien, c'est que voilà, comme je le dis, on a le camouflage légendaire. Ouais, je sais pas, je le trouve pas. Pas top, mais bon, allez, de toute façon, hein, si on a chopé le camouflage légendaire, autant. Autant l'installer, donc comme ça, hop, donc là ici, comme je vous ai toujours dit, je ne me fais pas brer, je mets les plus chers. Ici, attention à la conversion, donc on va virer 5, on va en mettre, ouais, je vais en mettre 5 là, et du moins, je vais mettre plus de gold. Voilà, ici, pareil, alors là, ici, je fais ça. Ici, on va faire ça, parce que moi, je préfère ça. Et puis, bah, les amis, ce que je vous propose, du coup, et alors au final, on est remonté à combien? On est à 9 935 pièces d'or, sachant qu'on était sur un solde de base à 47 000, je crois, dans les... Bon, bah voilà, alors, on va dire que ça m'a coûté quand même assez cher pour choper ça. Alors ensuite, ce qui est bien, c'est que nous avons également des certificats. Certificats, alors ça c'est pareil, je vais en avoir, je sens à chier. regardez, 61. Hein, je vais vous montrer un petit peu, disons. Et ça c'est un compte... Ah, comme qu'il dirait, c'est garni. Hein. Voilà. Oh, bah, hey. J'ai envie de vous dire, quand ils vont balancer pardon, la nouvelle branche, je crois qu'il n'y a même pas besoin... de s'embêter à la faire, hein. J'ai 3 certificats légendaires de 350 000 d'XP libre, sachant qu'on a déjà 567 000 XP libre, bah, je vous garantis, hein, ça va aller très vite. Bon, ce que je vous propose, les amis, eh ben, écoutez, hein, comme d'habitude, on va se faire une petite game pour le tester, donc on va vraiment le tester ensemble, et puis on va voir comment ça se goupille. Allez, c'est parti, ça sera notre... Bah, fin de vidéo, voilà, tout simplement. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous plaise, hein. Donc on se sera fait un petit pack, alors fais voir un petit peu la tronche. 4 secondes 6 de reload, donc j'imagine qu'il doit avoir une tourelle qui doit quand même balancer du pâté. Au niveau du blindage, je parle bien sûr. Ouais. Show on the road. Ouais, en fait, bon, c'est ça va l'air d'être plus ou moins un centurion, quoi. C'est un centurion. J'ai pas du tout ce qu'il vaut, hein. Donc comme je dis là, voilà, on l'a chopé ensemble. Et je trouve que c'est pas mal, je sais pas. Vous me direz dans les commentaires si ça vous plaît ce genre de petite vidéo. Bon, par contre, je pense qu'il faudra que j'aille un petit peu plus vite la prochaine fois. Alors, attention, premier client, je pense qu'il doit avoir une bonne dépression, monsieur. Ouais, ah ouais, pas mal. Hein. Et ce qui est pas mal aussi, c'est qu'on a. Alors, attends, toi, où toi là-bas? Attention, je vais retenter, messieurs dames. Ouais. Je vais aller me chercher le Super L4. Je pense que le Super L4 va être super claqué. Oh, ça, c'est ma faute, ça. Ouais. Par contre, j'ai pas anticipé. Oh, il y a un cul, là. Oh, lui, il va mourir. Oh, je l'ai raté. Dommage. Ah, il va retenter. Il va retenter. Hop, hop. Eh, c'est une dinguerie, ça. Ah.
Bon, par contre, j'en ai pris bêtement, je trouve, là, en fait. Là, je suis... J'ai mal joué. Je joue mal, en fait. Je joue très mal. Oh, 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 y a quoi là-bas? Où ça passe, ça? Oh, le rack. Oh, ça, c'est bon, ça. Par contre, là-bas, il y a quoi? Ah, mais par contre, c'est dangereux, Bibi, là. T'as oublié qu'il y en avait un devant. Est-ce que vous croyez... Oh, j'ai tiré où sur lui, là? Ouais, par contre, il y a lui, là, devant. Ouais. Bon, ils ont l'air de s'en... Oh, lui, joue. Non, dommage. Alors, attendez, je vais tenter... Ouh, normalement, ici, ça passe. Oh non, il a tiré à côté. Il a tiré à côté. Bon, par contre, on a une cadence de tir assez cinglée, quand même, hein. Si j'y vais à la gold, est-ce que ça passe ou pas? Ah bah là, j'ai ricoché, j'ai pas de bol. Puis, le problème, c'est que cet enfoiré... Ah, si, ça passe. C'est qu'avec l'autre qui brûle, je ne vois absolument pas... Ouais, si, je vais pouvoir le sortir, normalement. Oh non, il a tiré dans le char qui était mort. Non, mais non, j'étais dessus, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Ouais, sa mobilité, elle a pas l'air trop vilaine quand même. Par contre, là, le T28, toi, je vais... Bon, la cadence de tir est très bien, par contre. Je trouve que, franchement... Oh, bon, ça, c'est bon, ça. Un cul. Ah, un cul, c'est ce qu'on veut. Oh non, mais non, mais non, je vais même pas réussir à en avoir un deuxième. Oh, bah, lui, il est mort, lui. Lui, il est foutu, lui. Il est foutu, le monsieur. Attention. Attention. Attends, tu vas me dire que l'IS2 n'arrive pas à le choper? Sérieux? Ah ouais, parce que là, je me serais dit... Ouais, bah franchement, un char à voir. Il a l'air d'être pas mal. Bon, après, c'est du premium, c'est pas trop mon style de char, mais déjà, on voit qu'il a une petite dépression assez sympa. Bon, on va pas... Voilà, une classe 3. Bon, après, on n'a pas fait une partie de ouf, mais bon, voilà, il s'appelle comment? Le STRV81 Camp. Ah bah oui, bah tiens, ça va être beau ça. 97 000 en termes, ouais, de crédit, c'est pas mal. Bon, 1512 avec un kill, ouais, j'ai envie de te dire, pour une première, c'est bien. Bon, bah écoutez les amis, voilà, un char à découvrir. Et puis, bah écoutez, on verra un petit peu plus en détail, voir un petit peu ses caractéristiques. Et puis, voilà. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez dans cette vidéo. Et puis, bah moi, les amis, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à tous une excellente soirée, une excellente journée. Je vous fais plein de gros bisous, comme d'habitude. Et puis, bah, n'hésitez pas à partager, à liker et à commenter si ce genre de vidéo vous plaît. Et moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à très très vite pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien les amis, prenez soin de vous et à très vite. Ciao ciao !